Bonjour à tous et bonjour Maxime Revers. Bonjour. Vous publiez L'école de la vie, sous-titre Érotique de l'acte d'apprendre. Alors, où êtes-vous maintenant? Alors, je me trouve à Amsterdam. Je suis en ce moment résident à l'Institut d'études avancées néerlandais, Institute for Advanced Studies. Et ici à Amsterdam, nous sommes confinés également dans des conditions légèrement moins strictes qu'en France. Bien, alors, tout cela pour ne pas mentir à nos auditeurs, nous ne sommes pas à Lille comme il était prévu, mais Cité Philo essaie de maintenir une partie de son programme de cette forme-là, hein, en ligne, et c'est à cet exercice que nous nous livrons. Alors, toutes nos excuses s'il y a des difficultés techniques à l'occasion et si le son n'est pas toujours à la hauteur d'une rencontre en direct. Alors, nous vous connaissions, Maxime, nous vous connaissions par des textes sur Spinoza d'abord. Nous vous devons même l'édition de la correspondance de Spinoza, et vous avez beaucoup travaillé sur l'entourage de Spinoza, hein, le clan Spinoza d'une certaine manière, ce qu'auparavant on appelait peut-être le cercle spinoziste. Et puis, tout à coup, Que faire des cons, hein, voilà le livre précédent qui, je dois dire, nous a surpris venant de vous. Que faire des cons, hein. Est-ce que vous nous diriez deux mots là-dessus pour voir la continuité qui va de Spinoza au texte d'aujourd'hui, donc l'école de la vie, et pourquoi passe-t-on par Que faire des cons? Oui, en fait, ça paraît très surprenant parce qu'il y a des ruptures de ton et des différences de genre très fortes entre mes publications. En réalité, elles participent toutes d'un même propos qui est en fait d'étudier ce que j'appelle les interactions. Donc, en réalité, dans le clan Spinoza, l'idée était de défendre une lecture des textes de Spinoza, de la philosophie de Spinoza, comme étant le produit d'un clan. C'est très différent d'un cercle, puisqu'un cercle, ça tourne autour d'un centre qui serait Spinoza. Le clan Spinoza, ça fait exploser la notion d'auteur pour mettre en valeur donc des interactions pensantes. Et puis, j'ai voulu étudier les interactions qui ne sont pas pensantes. Et ça a donné Que faire des cons, c'est-à-dire une étude des conflits interpersonnels que j'ai voulu saisir un peu dans leur langue, donc en utilisant de l'argot, tout en, je dirais, travaillant à la fois les interactions et les émotions pour essayer de retrouver du concept en définitive. Et avec l'école de la vie, je poursuis ce travail que j'appelle la philosophie interactionnelle et qui consiste à nouveau à décrire des interactions, mais cette fois-ci celles qui sont productrices de savoir. À nouveau, chaque livre définit en quelque sorte son genre. Je ne fais pas exprès, je vous le jure, je me dis pas tiens, je vais écrire un livre en argot, ou tiens, je vais écrire une étude historique sous une forme romanesque. C'est plutôt que la spécificité des objets détermine des manières d'en parler qui sont à chaque fois différentes. Bien, alors, avant d'entrer dans le contenu du dernier, de l'école de la vie, est-ce que vous auriez des remarques sur… alors, moi, je l'ai en trois formats, votre livre. Hein, j'ai les épreuves qu'on a pu m'envoyer par Cité Philo pour lire le livre avant qu'il ne sorte. J'ai le livre version matérielle et j'ai le livre dans sa version numérique. Et est-ce que ça tombe sous le coup de votre même philosophie de l'interaction et du corporel? Qu'est-ce que vous préférez, vous, finalement? C'est une bonne question parce qu'en réalité, on a souvent mal compris ce qui se jouait dans le passage de l'imprimé au numérique en termes de support. On l'a interprété en termes de support, alors qu'en réalité, comme vous le dites, c'est le type d'interaction que vous avez avec le texte qui va être modifié. Il me semble que avec un format papier, là, moi aussi j'ai l'exemplaire ici, avec un format papier, vous allez développer une relation tout à fait différente puisque la manière de feuilleter est spécifique, la manière de corner est spécifique. Je sais que toutes ces procédures peuvent être mimées
par les formats numériques, mais il n'empêche que votre corps, quand il se rapporte à cet objet, a une, je dirais, posture particulière. Et personnellement, je suis pas en faveur de l'un ou de l'autre. Je travaille énormément sur des textes numérisés, puisque en tant qu'historien de la philosophie, j'ai affaire à des livres, à des textes qui sont rares, qui sont dans des bibliothèques partout dans le monde, qui heureusement les numérisent. Donc, je lis énormément d'ouvrages entiers sur mon ordinateur. En revanche, il me semble que lorsqu'il s'agit de mon plaisir ou de quelque chose de plus intime, de plus personnel, là, pour le coup, je ne lis presque jamais sur ordinateur, parfois sur mon téléphone. Mais on voit que les objets, la forme des objets, la matière des objets jouent un rôle dans la manière dont les savoirs sont reçus. C'est-à-dire que le contenu d'un livre n'est pas le même parce que l'interaction physique qu'on a avec lui change sur un support ou sur l'autre. Alors, merci pour cet éclairage. Et du coup, venons-en au contenu, si vous voulez bien. Alors, à quoi avons-nous à faire avec ce livre ? Dans le titre, l'école de la vie, l'école, ce n'est vraiment pas une métaphore. C'est-à-dire, il y a vraiment des profs et des élèves partout. On est dans le lycée. Bon. Alors, je suis sûr que tous, nous avons envie de savoir ce qu'il y a dans cette relation prof-élève que nous avons vécue, et pour le public de Cité Philo, probablement des deux côtés, et comme élève d'abord et comme prof ensuite, et que c'est resté quelque chose de trouble, de non-dit, et peut-être même de non-pensé, dans nos souvenirs. Et là, nous attendons tous, dans ce cas, le Balzac ou le Piala ou l'émission de Sonia Kronlund sur France Culture pour décrire ça. Et c'est un peu ce que, du coup, nous trouvons dans votre livre, sans que ce soit un roman, ni un film, ni un simple documentaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre ? C'est de la philosophie, et c'est clairement la vôtre, et dans un genre le plus agréable et lisible qui soit. Alors, si vous permettez, Maxime, je vais essayer de résumer en deux lignes ce que j'ai compris de l'idée générale, et qui serait l'idée suivante. Longtemps, nous avons perçu l'enseignement, alors quand je dis longtemps, ça doit faire deux millénaires et demi, nous avons perçu l'enseignement comme un dialogue des âmes, à la Platon, une sorte de relation éthérée, d'esprit à esprit, une forme presque de transmission de pensée. Et vous nous faites atterrir, vous nous dites, il y a du corps là-dedans. Il y a du corps et, d'une certaine manière, vous réincorporez, si je peux être à la limite du jeu de mots, ou vous réincarnez, d'une certaine manière, l'enseignement dans une attitude qui serait assez proche, je crois, d'un Merleau-Ponty ou quelque chose de ce genre. Donc, l'enseignement, ça n'est pas à la Platon un dialogue des âmes, c'est plutôt un corps à corps. Est-ce que vous diriez ça ? Oui, alors ce qui est intéressant dans cette formule du corps à corps, c'est que ça fait tout de suite réagir, puisque le corps à corps, nous l'associons en fait à du contact. Et c'est le premier chapitre du livre essaie d'éliminer ce malentendu, puisqu'un corps à corps, ça peut se passer sans contact. Alors, pas nécessairement en virtuel, parce que maintenant, on fait des choses sur Zoom dans tous les sens, on l'associe immédiatement à ça. Mais en réalité, le corps à corps, c'est aussi une coprésence. Et donc, c'est un livre qui réfléchit sur l'usage des corps, non pas, je dirais, collés les uns aux autres, mais justement quand on les décolle, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? On s'aperçoit que des corps en présence continuent d'avoir des relations, même si ces relations ne sont pas contiguës. Et chez Platon, il y a cette idée que ce point de départ corporel, il faudrait plus ou moins apprendre à s'en détacher. Détacher, à s'éloigner de la matière. Et moi, j'essaie de montrer que si on prend comme matière première
la coprésence, c'est-à-dire la coexistence de nos corps en un même lieu, eh ben on s'aperçoit que on s'éloigne pas du tout de la matière et que au contraire, on approfondit alors quelque chose qui ne relève pas exactement de la matière au sens où les Grecs l'entendaient, mais qui relève d'interactions à la fois physiologiques, symboliques, historiques, sociologiques, et qui vont faire que les petits humains, en fait, vont entrer en relation les uns avec les autres. Encore une fois, a priori sans se toucher, même si parfois ils se frappent, ils se battent, c'est quand même assez intense les rapports dans une salle de classe, surtout pour les tout petits, ou se fâcher, ou se détester, enfin, surtout dans ce corps que j'essaye de désigner, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'affects. À nouveau, les relations corporelles ne sont pas seulement physiologiques, elles ne sont pas les plus simples, ce que Aristote appelait notre corps animal, mais il me semble que dans les émotions, les affects, il y a encore beaucoup de corps. Donc, montrer comment toutes ces interactions, je dirais, convergent et divergent, c'est-à-dire créent des dynamiques qui sont à la fois d'éloignement et de rapprochement, eh bien, ça permet d'avoir un rapport au savoir qui est tout à fait différent de celui qui consiste à penser que les savoirs sont des choses abstraites qui sont exclusivement destinées à une sorte d'entité qui serait l'esprit ou qui n'aurait pas besoin, je dirais, de la participation pleine et entière du corps, celui qui vit, quoi. Bien, alors, je n'avais pas prévu de placer cette question-là ici, mais elle s'impose. Comment voyez-vous l'enseignement à distance? Qu'est-ce que nous perdons dans l'enseignement à distance? Alors, en fait, l'enseignement à distance, c'est pas une mauvaise chose quand on peut pas faire autrement. En revanche, on peut pas se leurrer sur les possibilités que ça renferme. C'est-à-dire que, oui, l'enseignement à distance pourrait permettre à des jeunes gens de Dakar de suivre des cours à Stanford sans avoir nécessairement des moyens financiers colossaux. En revanche, penser que l'enseignement à distance peut remplacer les interactions très complexes qui ont lieu dans la salle de classe, c'est très naïf. Pourquoi ? Parce que dans une salle de classe, la relation n'est pas binaire entre le prof et l'élève. Elle est extrêmement compliquée puisqu'il y a des relations entre élèves, même si ce sont des relations silencieuses, qui consistent à s'apercevoir de l'attention des autres, qui permettent de soi-même étayer sa propre attention, la renforcer. Il y a des échanges avant et après le cours qui ancrent en quelque sorte les savoirs dans une sociabilité. Il y a des discussions qui formulent des hypothèses alternatives, soit avec les profs, soit entre élèves, soit entre profs. Bref, il y a toute une construction sociale autour de ce que c'est que le savoir et qui fait qu'on ne peut pas télécharger un savoir depuis un terminal numérique comme le font les ordinateurs avec des logiciels. Les êtres humains sont des machines beaucoup plus compliquées. Elles se déploient dans beaucoup plus de dimensions. C'est ce que j'appelle leur iridescence. Et donc, comme nous sommes des êtres très iridescents, eh bien, le plus simple, c'est de se mettre, de mettre notre présence en commun, de se mettre en présence pour que justement toutes ces dimensions de nos êtres puissent entrer en interaction parce que ce sont elles, à nouveau, qui fabriquent les savoirs. Merci. Je pense que ça nous conduit immédiatement au thème ou au terme de votre sous-titre, une érotique de. Alors, c'est un terme qui pourrait être surprenant. Je pense qu'il ne l'est pas tellement pour les philosophes, puisque on le trouverait très facilement chez Platon. Mais une érotique de l'acte d'apprendre, qui conduit à un usage régulier du terme, souvent en tête de chapitre. Et par exemple, une des formules, page 97 du livre, je la livre et si vous pouvez la commenter, les relations entre prof et, vous aimez ce mot, de prof, si vous pouvez nous dire pourquoi, entre prof et élève, relève d'une érotique des grandes profondeurs, dont l'expérience constitue une authentique apothéose, les emportant à perte de vue dans des interactions amoureuses. Alors, j'ai l'impression qu'il y a là beaucoup de vos
concept de votre vocabulaire usuel. Est-ce que vous commenteriez ce passage ? Oui, merci. C'est une phrase difficile parce que là, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire bondir ceux qui entendent la phrase qui est inscrite dans un mouvement démonstratif quand même serré. En fait, c'est pas du tout une phrase qui dit que les profs et les élèves sont amoureux les uns des autres. C'est une phrase qui essaie d'expliquer le rôle que joue une certaine émotion. Cette émotion, elle est liée à l'attention, c'est-à-dire au fait qu'on oriente sa présence vers une certaine direction. Et donc, c'est ça, en fait, qui crée, je dirais, l'accroche à partir de laquelle on va pouvoir travailler ensemble. Donc, l'érotique, en fait, c'est un terme que j'ai voulu utiliser de manière un peu provocante. J'ai conscience que tout le monde n'a pas nécessairement Platon en tête pour essayer de rendre discible quelque chose qui est devenu impossible à dire. Et ce qui est impossible à dire aujourd'hui, c'est cette réalité que enseigner, ça n'est pas un métier comme les autres. C'est un métier qui demande une implication affective. Vous savez, on a toujours l'impression que pour être un vrai professionnel, il faut se montrer neutre, il faut être froid, il faut être rationnel. Eh bien, dans l'enseignement, c'est le contraire qui est vrai, c'est-à-dire qu'il est absolument indispensable, sans forcément se prendre pour le papa ou la maman de tous ses élèves. Au contraire, on prend une posture qui est très spécifique, mais qui implique un engagement affectif très profond. Et les profs le savent. Les profs le savent, le vivent, se réunissent en salle des profs et souvent se font part de leurs difficultés, soit parce qu'ils sont attachés à tel ou tel élève ou tel étudiant ou étudiante qui a des difficultés, ou soit parce qu'eux-mêmes ont des difficultés avec tel ou tel autre qui leur envoie beaucoup d'agressivité. Parfois, on a un peu honte aussi de ne pas aimer ses élèves. Bon, il y a tout cet éventail d'affects qui structure en réalité la salle de classe et les interactions d'apprentissage et d'enseignement. Et l'érotique, ça n'est rien d'autre que l'art de travailler ses émotions et d'orienter les désirs des uns et des autres pour fabriquer des savoirs. Donc, moi, j'emploie beaucoup le terme de prof parce que c'est comme ça qu'on en parle lorsqu'on est soit entre élèves, soit entre enseignants, soit enfin en famille. C'est-à-dire que la réalité, je dirais phénoménologique, qu'est le métier d'enseigner et les pratiques d'enseignement, j'ai observé que ça se disait avec ce mot diminué, donc de prof, et pas tellement de professeur. Le professeur, c'est l'image, je dirais, officielle, institutionnalisée, que l'on se fait des profs. Mais les profs, en fait, sont des gens, je dirais, beaucoup plus à ras des interactions, qui sont pris dans des réalités humaines très complexes et qui ne sont pas là pour jouer seulement le rôle du professeur. Ils ont beaucoup de rôles. En fait, c'est un métier très, très complexe, très complet. Il arrive qu'on fasse les flics pour maintenir l'ordre dans la salle de classe. Il arrive aussi qu'on joue les maîtres, c'est-à-dire qu'on montre qu'on maîtrise sa matière et donc qu'on est d'une certaine manière, un maître en mathématiques, qu'on est vraiment, il arrive que les profs fassent comme ça des morceaux de bravoure, des démonstrations de force. Et puis le plus souvent, on est une sorte de partenaire d'apprentissage et c'est là où ça devient à la fois le plus intéressant et le plus difficile, je dirais presque le plus risqué. Pas parce que cette érotique, elle jouerait avec le corps, parce que le corps, ça n'est pas risqué en soi. On pourra y revenir, mais il y a l'idée qui s'est ancrée dans notre société depuis Freud, qu'au fond, le corps est animal et que cette animalité, elle est profondément sexuelle. Non, en fait. Et d'ailleurs, Freud a transformé le sens de sexuel pour le rendre totalement indépendant du génital. Aujourd'hui, on a tendance à associer, donc, je dirais, notre existence en tant que corps à cette espèce de tension qui serait donc d'ordre sexuel. En réalité, la tension que j'appelle érotique, c'est celle qui existe entre des corps en présence et qui n'inclut pas du tout la sexualisation. C'est une des possibilités, justement celle qui est exclue des institutions d'enseignement. Et en revanche, il y a beaucoup d'autres possibilités. Et c'est là ce que j'appelle, vous l'avez cité tout à l'heure, les grandes profondeurs. Donc les grandes profondeurs,
Pour le dire en un mot, c'est la manière un peu imagée dont je désigne des dimensions du réel que l'on ne peut pas décrire par le langage naturel que nous employons maintenant. Soit on s'y prend avec des mathématiques, soit on s'y prend avec des outils en biologie, en physique, en philosophie, en histoire, et bref, vous allez m'entendre citer tout ce qu'on appelle au fond des disciplines et qui, à mon sens, doivent être prises au sérieux comme étant des descriptions de dimensions du réel qui ne sont pas réductibles les unes aux autres et qui permettent, enfin, dont l'exploration permet, je dirais, d'augmenter la manière dont on vit le monde. Donc, c'est important parce que les grandes profondeurs, ça signifie que les savoirs ne sont pas seulement de la culture pour faire bien, ne sont pas seulement des outils pour devenir un citoyen ou un adulte. En fait, ce sont des modes d'exploration de quelque chose à quoi personne ne comprend vraiment rien et qui s'appelle la réalité. Donc, la réalité est tellement diverse que nous disposons de savoirs très variés, qui sont d'ailleurs en évolution, et que les enseignants font découvrir à partir de problèmes à leurs élèves. Les grandes profondeurs, c'est ça, et ce sont elles qui attirent en quelque sorte le désir. Les professeurs sont ceux qui vont jouer avec les problèmes pour attirer l'attention des élèves, et l'érotique de l'enseignement, c'est justement l'art de faire en sorte que toutes les fonctions corporelles impliquées dans la présence d'un individu et même d'un groupe, et même d'un individu dans un groupe, s'orientent progressivement vers ces grandes profondeurs. Merci. Et alors, du coup, j'aimerais poursuivre par une question sur la deuxième partie, celle qui s'intitule la sexualisation d'Eros. Et alors, j'ai beaucoup aimé l'ensemble du livre, mais celle-là particulièrement. Et une question très simple, c'est quels sont du coup les contours du sexuel ? Vous dites à quel point il est difficile de définir ce qui est un acte sexuel, que potentiellement tout pourrait l'être, un échange de regards, le frôlement des mains, et inversement. Des actes évidemment sexuels peuvent n'être regardés que comme des actes sociaux et notamment le devoir conjugal, voilà ce qu'on appelle le devoir conjugal. Et du coup, je me demande si ce n'est pas ce passage qui a imposé dans le sous-titre l'acte d'apprendre. Hein. Au fond, est-ce qu'il est ou de quel ordre est-il cet acte d'apprendre, est-ce qu'il a quelque chose à voir avec cette difficulté à définir l'acte sexuel ? Oui, c'est intéressant cette question sur l'acte. Alors, il faut d'abord dire que si je me suis trouvé faire un chapitre sur la définition même du sexe dans un livre sur l'école, ça n'est pas du tout dans un esprit un peu libertin, je dirais cette espèce de coquetterie à la française qui consiste à trouver marrant ou sexy le fait d'aborder les questions sexuelles, pas du tout. En réalité, c'est parce que une fois qu'on décrit des interactions qui produisent des savoirs d'une manière à la fois incarnée et qui tient compte de l'émotion qui est liée à ces interactions quand elles sont heureuses, qui est une émotion comme ça de, encore une fois, de joie, de joie de découverte, plaisir d'apprendre, admiration pour les personnes qui vous accompagnent dans ces découvertes. Une fois qu'on décrit ça, on se dit, bah oui, mais alors, qu'est-ce qui retient ce genre de à la fois d'émotion et d'interaction de basculer complètement dans l'amour au sens romantique? Donc, il fallait absolument isoler d'une manière très claire ce qu'étaient les interactions que l'école, mais même l'université, en somme les institutions d'enseignement, ne permettent pas et ne peuvent pas permettre. Donc c'est pour ça que j'ai abordé le sexe. C'est pas du tout, encore une fois, pour essayer de trouver des passerelles. C'était au contraire pour essayer de comprendre pourquoi et comment se sexualisent parfois, dans d'autres contextes, des interactions heureuses. Et c'est vrai que, je dirais, le fait que le sexuel puisse couvrir tout et n'importe quoi, ça c'est vraiment l'une des grandes innovations freudiennes. C'est-à-dire que Freud a vraiment fait exploser
la notion du sexuel en admettant à l'intérieur du concept, je dirais, tout ce qui a été considéré comme perversion. Et en l'étudiant et en montrant en définitive que ceux qui se considèrent comme saints ne le sont pas ni plus ni moins que ceux qu'on considère comme des pathologies du sexuel. Donc, à partir de là, moi, ce que j'ai voulu faire, c'était plutôt montrer que ma théorie du problème, puisqu'en fait, toute cette première partie qui est consacrée vraiment à l'école et aux relations, à l'acte d'enseigner, montre à quel point l'acte d'enseigner dépend de problèmes, de réticences, d'obstacles, de perplexités, d'inconnus. Et j'ai essayé de montrer que la sexualité est une forme de problématisation d'un certain nombre de choses, en l'occurrence de relations de pouvoir. Donc, ça n'est pas du tout absurde que nous soyons des créatures sexualisées. Comme j'essaye de le montrer, ça ne vient pas seulement du fait que nous soyons des créatures sexuées. Ça, c'est un problème que la biologie étudie. Vous me direz, c'est une donnée. On peut l'observer chacun sur soi et surtout sur les autres, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des différences. Donc, que nous sommes une espèce sexuée. En revanche, le fait que nous soyons des êtres sexuels, ça n'est pas exactement la même chose. Donc, essayer de montrer en quoi le sexe est une forme de problématisation, en quoi c'est pour cette raison qu'il peut être satisfaisant dans certains cas, ça me permet de montrer pourquoi ça n'est pas par moralisme que on exclut la sexualité des relations d'enseignement et d'apprentissage. C'est parce que nous avons affaire à des interactions d'un autre type, ce que j'ai appelé tout à l'heure les grandes profondeurs, qui sont beaucoup plus efficaces en termes d'intensité que des relations sexuelles, surtout lorsqu'il s'agit de groupes, c'est-à-dire que quand même les profs enseignent majoritairement à des grandes classes. Donc, on s'aperçoit que la sexualité se trouve mise hors jeu, encore une fois, pas pour des raisons légales, encore que la loi doivent encadrer, bien sûr, par définition des institutions, mais elles le sont pour des raisons, je dirais, presque métaphysiques, c'est-à-dire c'est parce que le sexe, ça ne marche plus quand on touche à des dimensions trop profondes de la réalité. Donc, ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que on peut tout à fait se passer de moralisme lorsqu'on aborde les relations entre prof et élève, puisque de toute façon, le sexuel va sortir, je dirais, de lui-même. Il va être repoussé en surface, c'est-à-dire comme une relation non pertinente, pas très intéressante, en comparaison de ce que ça peut être que de comprendre ensemble un théorème en mathématiques ou d'explorer ensemble des dimensions de l'interprétation historique. C'est beaucoup plus satisfaisant, c'est beaucoup plus intense qu'une relation sexuelle qui comparativement va apparaître comme simple. Et cela, je crois, nous en avons tous le souvenir, puisque il est rare de ne pas avoir eu à un moment ou à un autre un ou une prof qui nous inspire et qui nous change la vie. Et comme vous le savez, c'est pas le cas de toutes les relations sexuelles. Donc, encore une fois, la relation avec les profs, c'est une relation, et l'acte d'apprendre, ce sont des choses qui sont d'une très grande intensité. On a trop tendance à les sous-estimer. Alors, je pense qu'il est temps d'expliquer à nos auditeurs et à vos lecteurs le statut de cette page 107. Très étrange, entre deux paragraphes, sans qu'on voit bien le statut du texte. Il y a cette page avec deux lignes assez mystérieuses. « Chère Julie, des amants, vous en trouverez toujours. Des profs de philo, vous n'en avez qu'un. » Alors, qu'est-ce que c'est que Julie ? Alors, c'est l'un des intermèdes qui rythme le livre entre deux chapitres un peu théorique et très élaboré, il y a des intermèdes narratifs qui permettent de mobiliser mon expérience personnelle d'enseignant. Et là, on a un exemple d'un cas d'une jeune femme qui est parvenue à me faire comprendre son désir d'une manière qui m'a imposé de lui donner une réponse.
Donc cette réponse, c'est celle que vous avez citée, elle consistait à mettre en valeur le fait que des amants, des partenaires, elle en trouverait dans sa vie, mais que dans la relation avec un prof de philo, il y avait quelque chose de très précieux et de très spécifique qu'il ne fallait surtout pas gâcher. Et donc ma réponse était tournée de telle sorte à contourner, je dirais, le caractère un peu humiliant, quoi, du fait d'être repoussé, tout en assumant plus fermement mon rôle et surtout l'importance de mon rôle pour elle. Alors, ce qui est beau dans cette histoire, c'est que j'ai demandé à Julie la permission de publier ce SMS, puisque je n'ai changé aucun des prénoms qui apparaissent dans le livre, et donc je voulais vérifier avec elle si elle était toujours d'accord pour que j'utilise son prénom. Et elle m'a répondu elle m'a fait cette très belle réponse qui consistait à me dire: Monsieur, non seulement vous pouvez publier votre réponse, mais même tous les échanges que nous avons eus, car rien de ce que nous nous sommes dit ne me fait honte. Et je trouve que c'est important et c'est gratifiant pour moi de me rendre compte que, au fond, dans ce travail, donc pas seulement dans mon travail de prof, mais dans le travail d'écriture de ce livre, j'ai essayé justement de faire ça, c'est-à-dire de rendre discibles des choses qui ont été conçues, considérées comme indicibles. Or, il n'y a pas de honte à dire qu'il y a beaucoup d'amour, d'affection, de tendresse qui circulent dans les salles de classe. Plus les enfants sont petits, plus c'est visible. Mais en réalité, quand ils sont grands, il y a des interactions qui sont structurellement de l'ordre amoureux. Donc, il faut accepter que ça existe. Ça peut être c'est un droit, en tout cas c'est un fait que les étudiants et les étudiantes peuvent s'amouracher de leur prof, hein. C'est la confusion des sentiments déjà étudiée par Stephen Zweig. Et c'est le devoir des profs de maintenir, je dirais, le rôle symbolique qui est le leur pour faire en sorte que les interactions amoureuses, justement, restent dans le cadre qui a été défini et qui est leur plus grande, je dirais, leur plus grande fertilité, et qui est de produire des savoirs. Merci, je crois que c'était très clair et que ça nous évitera de tomber dans un film de Brissot, et c'est très bien. Puisque nous sommes à Cité Philo, je vais me permettre quelques questions techniques. Alors, d'abord, il y a beaucoup de vocabulaire théologique. Vous êtes conscient de ça, le corps glorieux, l'apothéose et d'autres? Ça concerne surtout la première partie parce que, en fait, la théologie a un rapport à la transcendance qui est très intéressant. Donc, c'était utile pour moi parce que il y a malgré tout une transcendance symbolique. Il y a une différence, si vous voulez, irréductible entre les profs et les élèves. En fait, cette différence, on pourrait la négocier. Au Brésil, où j'ai enseigné 5 ans, elle est très différente de la manière dont on la présente en France. Mais malgré tout, il y a une sorte de transcendance. Il y a quelqu'un qui est censé savoir, supposé savoir, comme disent les psychanalystes, et il y en a qui sont supposés ignorer. Donc, il y a malgré tout une fracture. Et pour décrire, je dirais, la manière dont on peut malgré tout circuler au-delà de cette fracture, eh bien, on a effectivement une discipline dont c'est la spécialité, et ça, c'est la théologie. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait avec la transcendance? Les théologiens ont des concepts pour ça, donc je les leur ai empruntés. Merci. Alors, vous invoquez évidemment beaucoup de figures historiques dans le clan Spinoza, et là, ce qui frappe au contraire dans cette école de la vie, c'est que vous invoquez très peu de monde. Platon 2 ou 3 fois, Freud 2 ou 3 fois, mais vraiment il n'y a pas de name dropping, c'est presque le contraire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez trouvé votre philosophie, c'est-à-dire c'est Maxime Revers qui déploie sa pensée. Alors vous avez de la chance parce que ça donnerait avec votre nom un reverisme, hein, ça finit par verisme et ça commence comme romantisme, c'est très bien. Mais alors, qui serait quoi? Qui serait fait de quoi? De relations, d'interactions, des corps? Alors, il y a d'abord une technique d'écriture, hein, un choix qui consiste à mettre les notes en fin de volume et à ne pas faire d'appel de notes. C'est-à-dire que la manière dont le livre est écrit, c'est la suivante.
on a des chapitres qui sont donc des chapitres théoriques et on a des notes et des bibliographies reliées à chaque chapitre qui n'apparaissent qu'à la fin. Donc en réalité, il y a bien des références. Je ne les commente pas à l'intérieur de mon texte, je les indique à la fin du texte. L'idée, c'est d'accentuer la fluidité de la lecture pour que, au lieu que la philosophie soit une discipline, je dirais, culturelle, c'est-à-dire que je vous montre à quel point j'ai moi-même lu des livres, que je vous donne l'impression à vous d'en savoir un petit peu plus sur Platon ou sur je ne sais quel philosophe, eh bien, on laisse un peu cet aspect culturel de salon de côté et on se concentre sur des concepts qu'on essaye de construire de la manière la plus pure et je dirais la plus étrangère à des conversations de salon. Donc ça c'est un premier point qui touche à ma posture à l'égard de la philosophie en tant que discipline, en tant que production de savoir et pas élément de culture. Ensuite, est-ce que à partir de là la voix qui est la mienne, la voix qui parle dans ce livre, définit une philosophie qui serait strictement la mienne. En fait, je crois que c'est pas exactement la manière dont je concevrais les choses, puisque en tant que commentateur de Spinoza ou de Sénèque, je me sens pas particulièrement caché. Je formule déjà des choses que je peux assumer à la première personne. La différence d'une écriture comme celle de l'École de la vie, c'est le concept. C'est-à-dire que ça n'est pas le philosophe qui est en première ligne. Ce sont les concepts qui sont en première ligne. Donc, il y en a que je bricole moi-même, que je fabrique. L'interaction, c'est un concept que je reprends à Erving Goffman pour lui donner un sens qui est, voilà, que moi j'ai rebidouillé. Il y en a plein d'autres. L'iridescence, c'est plutôt une métaphore. Je le présente comme tel, mais on perçoit au fur et à mesure du livre que je l'utilise en réalité comme un concept. Donc, l'intérêt, en fait, de ne pas commenter des auteurs anciens ou contemporains, parce qu'il y a beaucoup de contemporains qui sont cités en bibliographie, mais de ne pas verser dans le commentaire, c'est de se concentrer sur les concepts. Et l'important dans ces concepts, ça n'est pas qu'ils viennent de moi ou que je les ai fabriqués moi-même, c'est plutôt la manière dont chaque lecteur, chaque lectrice peuvent se les approprier et peut-être en faire quelque chose. C'est ça je dirais que non seulement il y a une abstraction dans le concept qui permet, je dirais, de mettre les références un peu à distance, mais il y a aussi un anonymat dans le concept. C'est-à-dire que ça n'importe pas que ce soit moi qui l'ai fabriqué. Ou le naufrage, par exemple, qui est un concept que j'avais développé dans Que faire des cons. C'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir si ce mot, relié à une définition précise, permet de décrire une réalité qui, sans lui, n'a pas vraiment de mots, n'a pas été nommée, n'a pas été décrite. De ce point de vue, je pense que les philosophes sont un peu comme des gens qui travaillent avec des instruments d'optique, et en particulier avec des microscopes. Et donc, quand on voit un truc au microscope, on a besoin de le nommer. Et donc, un peu comme des botanistes ou des microbiologistes qui donnent des noms latins aux créatures encore innommées qu'ils découvrent, moi, en tant que philosophe, quand je décris des interactions et que je m'aperçois que je vois des phénomènes qui n'ont pas de nom, eh bien, il faut que je trouve un mot pour le dire. Et c'est ce mot que je mets à disposition de mes lecteurs. Voilà. Très bien. Alors, parmi ces mots, il y en a un qui revient assez souvent et qui est clairement une métaphore, mais une métaphore tout au bord du concept, qui est ce terme de brèche. Hein, on a en permanence des brèches et chez l'enseignant et chez les élèves. Hein, alors, est-ce que c'est simplement l'ignorance ? Qu'est-ce que c'est que ces brèches ? Oui, alors le concept de brèche, c'est amusant parce que c'est presque l'inverse de ce que je viens de dire, au sens où ça n'est pas exactement une petite chose très fine que j'aurais découverte à la loupe ou au microscope. C'est plutôt un concept volontairement général qui est destiné à décrire des couacs systémiques, des anomalies, de la manière la plus vague possible. Alors, vous allez me dire, mais c'est étrange parce que quand même en philosophie, on cherche plutôt la précision que le vague. Mais en l'occurrence, la précision du terme de brèche vient du fait qu'il prend son sens dans une théorie du système. Donc,
Une brèche, c'est en fait un bug. Et ce bug, il a toutes sortes d'origines possibles. C'est la raison pour laquelle ça n'est pas très utile de définir l'origine de la brèche. Ce qui est intéressant, c'est d'en décrire le fonctionnement. Donc, brèche, comme le mot l'indique, vous l'avez dit, ça part plutôt d'une métaphore, c'est-à-dire la métaphore d'un objet qui est cassé. Hein. Et c'est une fêlure, quoi, une fêlure. En même temps, on s'aperçoit assez vite que cette fêlure, elle est productive, c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie qui circule dedans, c'est-à-dire que d'un point de vue plus conceptuel, à l'intérieur d'un système dynamique, la brèche n'est pas neutre, au contraire, elle est ce qui fait que ce système dynamique est susceptible de recevoir des impulsions du fait d'un système transversal qui, pour lui, est anormal. Voilà. Donc, pour le dire en un mot, le concept de brèche permet de décrire des anomalies d'une manière relativiste. On a des blessures, on a des déterminismes sociaux, on a des souvenirs personnels, on a des mots, et l'emploi de certains mots charge notre expérience de signification. Ces significations nous rendent hostiles ou favorables à certains types d'expériences. Et donc, vous voyez que très vite, les brèches, alors qu'on peut les considérer comme de simples obstacles, vont prendre un sens dans la définition même de nos vies qui est beaucoup plus vaste que celui d'une simple anomalie. Donc, à nouveau, le terme de brèche a deux avantages. L'un qui est lié à sa généralité, c'est-à-dire on ne sait pas d'où vient la brèche, mais on sait qu'elle existe parce que le système dysfonctionne, parce que le système a un comportement anormal. Et deuxièmement, l'intérêt du concept de brèche, c'est qu'il permet d'articuler entre eux des systèmes hétérogènes et de montrer comment leurs interférences sont en réalité productives. Donc, soit on prend un abordage qui est plutôt, je dirais, du point de vue de la métaphore et qui est plutôt généraliste, qui est facile à comprendre, soit on le considère comme un concept. Et bien sûr, là, il va falloir entrer dans le détail d'une sorte de cybernétique, c'est-à-dire de théorie des systèmes, où en fait, il a beaucoup d'avantages. Voilà. Et j'ai une dernière question, puisque c'est un livre dont on a déjà dit qu'il était... rempli de profs, et sur une qualité des profs ou des enseignants, qui est le charisme des profs. Alors, au chapitre 5, comme vous faites des titres façon âge classique à la Stern ou à la Diderot, où l'on comprend que, etc., on a où l'on comprend que le charisme des grands profs ne vient pas de ce qu'ils disent, mais de ce qu'ils taisent. Et est-ce que vous pourriez développer et cette question du charisme et cette idée-là, que c'est en taisant des choses qu'on déploie son charisme de prof? Oui, c'est une bonne question, parce que je crois que le charisme, c'est un problème qui travaille tous les profs. Quand on commence, on a toujours peur d'être un mauvais prof. Et puis quand on continue, on est inquiet d'en devenir un. Et en fait, c'est un peu sans fin. C'est une bonne chose parce que ça montre que les profs ont le souci de ce qu'ils font. Et je crois que la théorie que j'ai essayé de développer, c'est une manière de les rappeler à la grande noblesse de l'acte d'enseigner et aussi à sa grande spécificité qui consiste à laisser apprendre. C'est-à-dire que ce qui est curieux dans l'enseignement, c'est qu'il faut faire en sorte de n'être pas soi-même actif, mais de faire passer à l'action, en quelque sorte, ceux qui vous écoutent. Donc, c'est très intéressant. Et le charisme, ça n'est justement pas, je dirais, le rayonnement fabuleux et, je dirais, auto-centré de quelqu'un qui maîtrise un savoir. Le charisme du prof vient du fait qu'il est capable de mettre en scène des problèmes. Ces problèmes vont capter l'attention des élèves et même capturer en quelque sorte à la fois toutes leurs interactions, c'est-à-dire ils sont tellement passionnés que personne n'a envie de faire pipi au moment où on explique le truc, ils sont tellement passionnés que personne songe aux querelles qui les divisent. Bref, il y a une sorte d'effet de rassemblement, non pas autour du prof, mais autour des problèmes. Et
la manière dont le prof accompagne ses élèves ne consiste pas à leur donner les clés, évidemment. Les profs le savent. On ne donne pas les clés. On accompagne les élèves dans leur manière de découvrir ces clés. Et tous les profs ont fait l'expérience de l'extrême satisfaction que ressentent les plus jeunes lorsqu'ils découvrent par eux-mêmes, pas seulement telle ou telle solution, mais leur capacité à découvrir des solutions. Et au fond, c'est pour ça que lorsque je parle d'un charisme qui consisterait à se taire, ça n'est pas du tout pour remettre en cause la posture de l'enseignant ou son savoir, ça n'est pas non plus, je dirais, pour renoncer à des effets bénéfiques d'autorité, c'est-à-dire par autorité, j'entends le fait que les élèves font confiance à l'autorité du prof en tant que personne qui peut utilement les orienter. Je fais en revanche référence à la capacité du prof à ne pas dire ce qu'il sait, à être capable d'accompagner des élèves dans leur découverte et en revanche à être aussi capable de dire ce qu'il ne sait pas, c'est-à-dire à laisser voir lui-même ses brèches, à laisser voir les limites de son savoir et à explorer avec les élèves comment d'autres savoirs peuvent naître. J'insiste là-dessus parce que c'est peut-être l'aspect le plus difficile à associer à nos disciplines aujourd'hui très définies, institutionnalisées. C'est que quand un élève explose en fond de salle, quand il y a un problème, quand il y a des élèves en difficulté, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne veulent pas, ceux qui vous détestent, etc., en fait, ils participent tous des interactions productrices de savoir. Mais il témoigne du moment où les choses s'inversent, où en fait, ce sont les élèves qui se trouvent être ceux qui vont mettre les profs en face de problèmes. Et ces problèmes, en fait, ils ne font pas partie de la discipline mathématique ou histoire, mais ils font partie de l'enseignement. Et c'est très intéressant d'accepter, en fait, qu'une part de ce charisme, en quelque sorte, soit décentralisée. Le charisme d'un bon prof, c'est celui d'une bonne classe. Alors, il y a même des classes très, très agitées qui, de ce point de vue, peuvent être considérées comme des bonnes classes. Parce que ce sont des classes où ça pense, où ça interagit, où ça bouge, où ça échange. Et ça, c'est un petit peu ce que j'appelle l'école de la vie. C'est une chose qui a sa juridiction, bien sûr, en dehors des établissements d'enseignement, mais aussi au-dedans. Et c'est très difficile, quand on a un peu trop le nez sur sa discipline, d'accepter que l'école de la vie, ça fonctionne aussi dans une salle de classe. Mais pourtant, on a vraiment tout à y gagner, autant les profs que les élèves. Eh bien, écoutez, Maxime Rovert, je vous remercie. Je crois que on ne peut pas conclure mieux cet échange que sur ces formules qui disent vraiment le sens de l'ouvrage. Bien entendu, il est beaucoup plus riche que ce que nous avons pu en dire dans cette petite heure d'échange, mais j'espère que nous avons donné envie d'accéder au texte à travers ça. Et bien sûr, nous remercions Cité Philo pour avoir organisé, malgré les circonstances, cet échange. Au revoir, portez-vous bien. Merci Joël, merci à tous, à bientôt.